toi, celui qui donne la vie. Hey, alléluia. Alléluia. Ce matin, nous sommes venus célébrer celui qui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant, celui qui peut tout dans ta vie. Est-ce que tu le crois ce matin? Sa parole est oui et amen. Sa parole est oui et amen. Nous sommes venus attester qu'il est le Dieu très capable. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous disons infiniment abondamment bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit. Tu le crois, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Hey, est-ce que ce matin quelqu'un est en joie de déclarer qu'il est celui, oui, il fera assurément. Tout-puissant, celui qui est là dès le commencement, il fera assurément, abondamment. Et c'est pourquoi ce matin, quelqu'un veut lui dire, oh, 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 il fera. Qui ne ment pas, il ne t'abandonnera jamais. Garde ta foi dans celui qui a tout accompli. Il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi dans celui qui ne ment pas. Il ne t'abandonnera pas. Est-ce que ce matin tu veux le célébrer? Sens-toi libre dans sa présence. Il ne t'abandonnera pas. Dis-lui.
tu ne m'abandonneras pas. Que le peuple dit ce matin, Seigneur, Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Regarde cette situation ce matin et dis-lui, Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Que le peuple qui croit en lui dit, Seigneur, 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 non, tu ne m'abandonneras pas. Face à cette montagne, il est celui qui ne t'abandonne pas. Alors confesse, Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Il est celui dont les promesses sont véritables et véridiques. Alors tu lui dis encore, Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te célébrons le nom de Jésus.
appartient ce matin. Dis-lui, dans que tu peux monter encore devant la majesté de lui encore dans notre cœur. Est-ce que tu réalises que c'est celui qui a donné sa vie pour toi? Il est le seul qui est digne de rompre les 700 du livre de vie. C'est pourquoi nous disons que dans notre cœur, à jamais il règne, il règne. Dans notre cœur. Dans notre vie, dans notre vie, dans